Salut à tous, c'est Trunkan, on se retrouve à nouveau dans Zelda Force of Adventures, on est parti. Poète, poète, palais, poète, poète, cocorico. Intéressant. Alors évidemment, on n'a plus nos pouvoirs, on ne peut plus soulever des arbres. Ah. Ouh. Tu connais ce village, Cocorico? Ouh. Autrefois, les gens y étaient aimables et courtois. Ouh. Comme les Québécois. Mais il est devenu malfamé. Ouh. Les ténèbres oppressent le village, ce qui leur coûte souvent leur humanité. Ouh. Ah, les villageois, pardon. C'est terrible. Oh, les ténèbres. Ouh. Ouh, ouh, le miroir obscur. Non, les jeunes filles du sanctuaire te chargent de le garder. Ouh. Eh oui. Je suis le gardien du miroir. Putain, y avait pas une série nulle, enfin une émission nulle, genre de l'autre côté du miroir avec un espèce de blondinet naze. Ah, je sais plus. Enfin bref, pardon, je suis désolé. Écoute, tu es vraiment digne de confiance, ou il n'y a pas de doute, je te remets donc le sort d'Hyrule entre tes mains. Je vais jeter un œil au reste d'Hyrule. Ouh. Et n'oublie pas qu'Hyrule compte sur toi. Ouh. Aucune pression. Ok. Bah pas de pression. Même pas un petit cœur. Hein. C'est pas très gentil. Ah non mais Tingle, ouais. Ah, non mais Tingle, on s'en fout. On s'en bat les couilles. Ah. Qu'est-ce que t'as fait à notre village? Pardon? T'es plus sûr d'éteindre ses feux et des garpilles? Mais je viens d'arriver, connasse. Pardon, mais connasse. Ah, un vieux. Mon chéri, que veux-je devenir sans toi? Ok. Un petit cœur, là. C'est un scandale. Mon cher, nous avons été mariés pendant 56 ans et tu as toujours été bon pour moi. Quand je serai parti, ne te laisse pas envahir par la tristesse. Si tu te sens seul, prends une poule comme animal de compagnie. Ça te permettra peut-être d'oublier ton chagrin. Au revoir, mon vieux, on se retrouvera un jour. Mais genre, elle s'est suicidée ou c'est son testament En général, quand tu... Enfin... J'allais dire, quand tu meurs, tu laisses pas un courrier. Ça dépend... Donc il va nous falloir une poule à un moment donné. C'est ce que j'ai cru comprendre. Petit bâtard. Dans les deux secondes, je bouge mon micro. Parce que... Oh le bâtard! Nictaras! Parce que j'avais mis le micro juste devant l'écran en fait, du coup forcément c'est pas pratique. Ah, effectivement c'est mal famé, ouais, y a des bullies. Ça a changé Cocorico quoi. Y'a un truc là? Yes. Ce chemin mène vers deux dessins différents. Bienvenue dans le donjon du mystère. Pour tenter sa chance, gagner des objets, on commence là. Celui-ci pour la vue, tu peux sortir par là. Ok, mais alors là... Là, c'est pas forcément une bonne indication. Plus que 5 embranchements sur le chemin du destin. Plus que 4. Toujours à droite. Ah. Ok, donc c'était droite... Gauche. Ah non, c'était droite, droite, gauche. On va y arriver. Oh, attendez, est-ce que j'arrive pas du bon côté à chaque fois? Il faut juste appuyer sur bas en fait.
Faut juste appuyer sur bas, t'arrives sur la bonne dalle à chaque fois. Ah ok, j'ai des bombes, mais à quoi vont me servir ces bombes? Putain, ils sont partout les Dark Link. Bonjour vieux. Ah non, pardon. Quitte le village et descends la rivière, tu trouveras un temple. Il faut t'y rendre pour jurer fidélité au roi. Ah mais moi, voilà, je suis pas royaliste. De force. Ok, je vais ramener la poule. C'est bien, c'est pas bruyant. Oh, on dirait un espèce de vieux réveil. Mais un réveil chiant. J'espère que ça vous plaît. Hein. J'espère que vous kiffez ce bruit de poule. Elle me dit non, c'est... Non, c'est un coq. Ah, quelle adorable poupoule. Elle réchauffe mon vieux cœur. Elle s'est déjà barrée. Après la mort de mon épouse, je pensais passer le restant de mes jours tout seul. Mais j'ai jamais pensé à aller deux cases plus haut chercher une poule. J'aimerais en prendre soin. Je te donne cette clé. Prends autant de gemmes que de force que tu veux. Avec cette petite poule à mes côtés, je n'ai besoin de rien d'autre. Très bien. Et là, il y a quoi? Bracelet de force. Je pourrais porter la terre entière. Ah ça y est. On va soulever des arbres et des daronnes. Parfait. Est-ce qu'on est d'accord que arracher les arbres, enfin dans les jeux vidéo c'est rigolo. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah oui, ah oui, non mais tingle. Oh puis tant pis. Hop, je quitte la zone, comme ça tu peux rien faire. Oh, une fée de force. Alors. Bonjour. Ah, enfoiré. C'est un méchant. Mais vous êtes tous des méchants ici ou quoi? Allez viens bâtard. Ah, on peut vraiment soulever des gens? Ah, c'est rigolo ça. Tiens. Non mais... Ah oh, c'est infini quoi. Après, ils me font pas de dégâts, certes. Mais c'est quand même chiant. Je tiens à le dire, c'est quand même chiant. T'es qu'à tirer sur moi, voilà. Cette interception, ça c'était beau. Vous allez me dire que c'était pas beau, quoi. Bonjour. Voilà, je vois ce que l'avenir te réserve. C'est dans ma boule de cristal. Je te prédis l'avenir pour 100 gemmes de force. Ouais, d'accord. Petite prédiction pour 100 malheureuses gemmes de force. C'est donné. Abracadabra, calabri, calabra... Alapoukawik. Oui.
Ton avenir est brillant, genre... Oui, youpi. Transforme-le. Eh ben, choukran. Tu donnes 100, tu gagnes 300, très bien. C'est ça, la Startup Nation. C'est ça, Crypto Fanta. Tous ces endroits qui servent à rien. Non mais évidemment... Je sais pas où elle est. C'est pas grave. D'accord. Attendez. Ah mais là je peux passer de l'autre côté. Un nouveau cœur. Non mais c'est bon. C'est bon, vous allez vous calmer un moment. Ouais, du coup... Ah, ça, on peut pas faire. Ça, on peut. Par contre, ça m'aide pas des masses, hein. Je peux aller à droite. Là, je suis jamais allé. Effectivement. J'allais dire que je suis déjà bloqué, mais en fait... En fait, non, ça va. Tu vas pas m'attaquer? Non, c'est bon. Il y a beaucoup de voleurs, c'est pour ça que j'ai creusé une oubliette. Et je crois que j'ai attrapé quelqu'un. Allez petit, si tu creuses, je te dirai où se trouve le trou. C'est pas dégueulasse. Bon, on va creuser. Hein. C'est là, creuse. Bon, ça c'est là. Bon, ça c'est là. Beaucoup plus haut. Ah, c'est... D'accord. Hé! On a trouvé une oubliette! Il y en a probablement rien d'autre qu'un voleur là-dedans. Ouais? Tiens, mais ça m'avance tellement pas. Faut les buter, les voleurs, ou... Oh.
C'est pratique ça. Si je le bute, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut seulement les buter? Non, pas du tout. Mais maintenant j'ai une pelle. Et qui dit pelle dit creuser. Je suis fort. Hein. Sur mon sbi. Il faut faire ça, faut les emprisonner. Putain, je crois qu'il faut faire ça. Ça a l'air bizarre, mais. Ça a l'air bizarre, mais si ça peut calmer tout le monde... Non, là, il y avait personne. C'était pour les bombes. Ça tombe, c'est pas du tout ça, hein, mais... On va quand même tester. Quel connard. Parce qu'en même temps, je suis parti voir s'il n'y a pas chargé la soluce pour avoir quand même une piste, pour pas faire un truc qui sert à rien pendant 20 plombes. Voyez-vous. Qui reste? Il y avait des gens à droite. Dans la maison, non? Non, la maison, ça va, c'est le... Ah, il y avait le mec ici, ouais. Parce que l'enclos, là, enfin... Il sert bien à quelque chose. Et si c'était pour... Il servait de prison, justement. Ah oui, il y avait aussi du côté de la maison avec le vendeur là.
La mamie voyante, là, je sais pas quoi. Ici, il y avait deux fifous. Ça vous fera des pieds. Alors, une fois que j'aurai bien perdu mon temps à faire tout ça, je regarderai si c'est bon ou pas. Et après, on va leur foutre le feu. J'ai très peur d'être en train de perdre mon temps. Le bandit caché sous l'arbre à l'entrée du village est une crapule. C'est lui qui a dû me voler mes gemmes de force quand je faisais mon apprentissage. Ouais. Le bandit caché sous l'arbre à l'entrée du village. Il en reste un alors. Alors bon, je suis sur la bonne voie. Je me suis un peu spoil pour voir si je me gourais ou pas. Je suis sur la bonne voie, donc c'est cool. Putain. Eh oui, le feu, ça brûle. Il faut bien les emprisonner. Tous les fifous, faut les... Y'a rien, dommage. J'ai clôturé tout le village pour empêcher les bandits de s'enfuir. Pour quitter le village, il faut en capturer 10. Il faut attraper ces bandits à la puissance sur lui. Je compte sur toi. Ah non, y'en a pas 10 là. Hein. Allez, j'ai mon oreille qui me gratte. Et c'est chiant. Et voilà. Bonjour. Alors en principe il y en a 10. Mais est-ce qu'il compte seulement les bonnets rouges ou c'est ce que c'est tout le monde? Oula, oula, oula. Voilà, ça rame mais c'est pas de ma faute. Pardon, il y a une ouverture de fenêtre intempestive, Google. Il manque combien là? Il y avait quoi ici? Il y avait un bandit, bon.
Ah, l'entrée du village, putain, espèce d'abruti. L'entrée du village, en fait, c'est la sortie. C'est avant d'entrer dans le village. C'est un peu les petits bâtards. Donc en gros, quand il dit ouais, caché dans l'arbre, c'est là quoi. Ça c'est pas cool. Hein. Ah merde, il faut la bombe. J'ai laissé où la bombe? Chez les vieux, tout au fond, à droite. Qu'à tirer sur mon doigt. Comme ça, avec l'épée, en fait, on les stun et après c'est bon. Mais je suis assez fort pour ne pas avoir à les stun. Je suis comme ça, moi. Ouais. Alors, je sais pas combien j'en ai. C'est bon? Capturer tous les bandits? Quel soulagement! Eh bien, tu peux donc rouvrir les sorties! Les sorties! Tu peux maintenant circuler à ton aise! Ouais, toujours un problème d'incendie, hein, mais. Ah, par contre, j'ai peut-être récupéré l'appel qui est pas de ce côté-là. Ah, j'aurais dû ouvrir les coffres après, putain! Évidemment! Je me suis fait niquer! Je vais aller récupérer l'appel. Au dernier moment. Ah, évidemment, on peut pas passer derrière cette... C'est-à-dire que là, on... Ouais, bon, d'accord. La perspective, bon. Admettons. Oh! Sérieux? Celle-là, elle est un peu décevante. Hein. Touché, petit bâtard. Parce que c'est, mais j'y vais. Putain. Il fallait, bon. Je suis un peu saoulé, là. En plus, il vise bien, cet enfoiré, hein. Bah, allons rechercher les bombes. C'est pas chiant, non, c'est pas chiant.
Oui, j'ai les bombes. Oui, j'ai les bombes, oui. C'est juste la troisième fois que je les prends. Tu vas te calmer, le jeu. Tu as les bombes. Un petit cœur là? Évidemment que non. Jeu de merde. Quelle esquive? C'est la baguette, le feu, c'est ça? Oh, petit bâtard! Ah, mais abruti! Brigade de feu! Il fallait juste être plus intelligent que le jeu. Il pleut, béni soit la pluie! Quoique, il pleut vraiment des cornes! Je sais pas, c'est bizarre! Une merde! Une merde! Une merde! Oh, ça rame! Fais-moi son malin, Clébard, hein! Un nouveau cœur! De la merde. Pardon, mais c'est de la merde. Hein. On va parler à Micheline à l'entrée du village, elle sera contente. Alors, une minute. Tu n'es pas ce type ténébreux, non? Bah non. C'est toi qui as amené la pluie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai pissé en l'air et c'est retombé, c'était de la pluie. Bon, lui, c'est bon. On va reparler à tous ces gens manifestement pas du tout ingrats. Hein. Bonjour. Ah non, mais toi, on t'a déjà parlé, c'est toi qui... Oui. Enfin, c'est toi, quoi. Ah, tu éteins les feux? J'ai une petite santé, alors depuis que ces voyous ont allumé les incendies, je ne peux plus sortir de chez moi. Je voudrais te donner quelque chose en guise de reconnaissance. Il y a un trésor enterré dans ma cour. Ça va plus petit qu'à moi, alors ouf, je t'en fais cadeau. Bah ouais, mais t'allais rechercher la pelle, quoi. C'est un peu chiant. Ou alors c'est là, j'espère c'est là. Je pense que c'est là. Yo! Ensuite, la maison de gauche, on l'avait pas visitée. Et après, je crois qu'on peut se casser, hein. Pays de merde! Pays de merde! Pays de merde!
Ah si, ça en connaît. Bon, voilà, on peut se casser. Alors, Felindra... Comment ça? J'ai tellement faim, j'aurais bien du poisson, mais je peux pas l'attraper. Tu arrives à en mettre au moins 10 dans la bouche, je te récompenserai. Essayez? Allez. Porte-moi à manger en moins d'une minute. Ce qu'on va faire, c'est ça. Ah, et ça, si vous allez à droite, je comprends pas. Yes. Mais c'est bon là. C'était 10, hein. Attends un peu, oh, c'est délicieux, tiens, voilà ta récompense. Ton éternelle récompense. D'accord. Mais ouais. Et ensuite? Et à quoi servait cet endroit? Ouais, d'accord, ouais. J'y suis allé, c'est Jackie, là là, le feu, il pleut trop, c'est chiant. Peut-être... Bah alors tingle. Mais... J'aimerais savoir ce qu'il faut faire. Alors contre toute attente, il faut ressortir du village, évidemment. Dernier endroit où il y avait des flammes. Ça aurait été ma prochaine... mon prochain test en vrai, mais... Quelle bande de connards!
Ok. Ah si, il y avait un autre endroit où il y avait des flammes. C'était par là. Là où justement il y avait le... Ouais, c'était ici. Là où le vieux nous filait l'appel. Là on pouvait pas passer. Eh oui. Oui, la bombe. Quelle est cette sorcellerie? Il est caché là. Quel casse-couille. Tu remontes. Bah moi je vais à droite. Hein. Bon, les gemmes de force, on s'en fout un peu là. Oh, je l'ai raté. Ah, j'en ai au moins une. Petit boss. Ah oui, d'accord. Yeah.
Qu'est-ce qui m'a touché? Je ne sais pas. Ah, d'accord. Non, jouer la gemme. Le force. Un autre chevalier. Le garde de l'épée de 4. Je suis le chevalier d'Hyrule, chargé de garder le joyeux royal vert. L'épée de 4 scellait la prison de Vati. Si tu la détiens, ça signifie que le sceau a été cassé. Ce n'est pourtant pas Vati qui m'a enfermé dans les ténèbres, c'est... Mais, si celui qui m'a enfermé et qui a transformé le joyau en portail ténébreux voulait restaurer le pouvoir de Vati, son but doit être d'utiliser Vati pour envoyer Hyrule dans les ténèbres. Écoute-moi, petit héros, n'oublie jamais que Vati n'est pas ton seul ennemi. Et aussi Macron. Je vais suivre l'exemple de mon frère chevalier en te confiant le joyau royal vert. Maintenant, pas toi et l'épée de 4. Et tes trois potes aussi. Un joyau vert, qui ne reste que le joyau à trouver. Yes. Il est plus joli que l'autre. Des bisous, à plus.